Bonjour la famille. Toujours Gilmas, fier d'être là, fier de vous présenter une vidéo. Alors, merci à vous qui êtes encore là pour moi. Vous qui partagez les vidéos, vous qui mettez les j'aime à des vidéos, vous qui mettez des suggestions, des commentaires à des vidéos. Je suis tellement fier de votre présence encore une fois. Comme vous m'avez toujours appelé encre correcteur, ange de lumière, bic rouge, je suis là pour donner la matière. On a toujours dit, mieux vaut tard que jamais, mieux vaut la fin que le commencement. À quelque chose, malheur est bon. Nous avons vu notre poète, notre écrivain de la musique congolaise, depuis Vieux Wendo jusqu'au Inosbi. On a un monsieur qu'on appelle légende, Koffi Olomide, qui a compris, qui a étudié systématiquement comment finir à paix, comment finir à joie, comment finir à bonté. Il a toujours été difficile de digérer la séparation des enfants. Il a toujours été difficile de voir les enfants éparpillés sans avoir une femme rassembleur, une femme qui comprend l'idée et l'idéologie de son mari. Ça, c'est selon moi. Aujourd'hui, il y a presque 15 à 20 ans, Koffi Olomide a pris la conscience d'étudier toutes les femmes qu'il a eues dans sa vie. Il a compris que si il s'achevait à la fin avec une dame qui est calme, qui comprend, qui a des rêves, qui a des visions dans sa vie, il sera un homme de la, un homme de paix, un homme joyeux, un homme heureux. Cindy Lecaire, Dieu l'a envoyé. Ça, c'est selon moi. Cindy Lecaire qui ne parle pas beaucoup, qui regarde seulement une femme qui écoute, puisque une femme qui parle beaucoup risque de faire des mabacous. Mais depuis qu'on a connu Cindy Lecaire, c'est une dame qui ne parle pas. Je pense que son nom était Cindy. Mais c'est Koffi qui a compris que la dame ici, c'est là où il va reposer. C'est là où Lecaire de Koffi Olomide va se reposer. C'est pour cela que Koffi a donné à la dame ici Cindy Lecaire. Aujourd'hui, les toits faux. Rage, le ciel a des étoiles. Koffi Olomide, au moment où on se parle, il est en joie, puisqu'il a vu la dame qui commence à rassembler les enfants. La dame là, c'est qui? C'est Cindy Lecaire. Cindy Lecaire, une femme aussi qui n'est pas une femme d'aimer, qui reste à la maison comme une paresseuse. C'est une femme qui travaille dur. On la voit chaque jour dans des répétitions. Elle prend son temps pour aider son mari. Pas juste à des conseils, aussi au travail. Quand son mari veut se fatiguer, il se sent fatigué, elle s'élève, elle continue à travailler. Elle chante bien. Elle a une voix caressante, une voix séduisante. C'est pour cela que Koffi Olomide, de temps en temps, quand il se sent fatigué, il est stressé, il veut écouter la voix de Cindy Lecaire. Cindy Lecaire est pour Koffi Olomide comme le roi David. Quand le roi, comme quand Saoul, je ne sais pas Saoul, était fatigué, il avait besoin d'écouter une voix, des instruments immenses. Aujourd'hui, quand Koffi Olomide veut se détendre, il veut écouter une voix qui caresse, une voix qui séduit. Qui séduit en français, on dit pas séduit, ok. C'est automatiquement la dame ici qui va venir avec la chanson comme Mbabola. Imaginez-vous Cindy Lecaire chanter Bambola aux oreilles de Koffi Olomide. Chasso le Kolambabola. La chasso comme Sylvain. Non, 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 Zokeri na Monaco. Cindy Lecaire a zu ka katan. 2 heures du matin, bandit. Zokeri na Monaco. Eh, confirme. Yo, on le bandit. Oui, mais c'est bon. Ça sera de.
Koffi Olomide est notre légende. Pour nanga, eza polémique était. Malakambo tozota la na réseaux sociaux. Ce que moi je vois sur les réseaux sociaux et ce que les gens disent également de Cindy, moi je fais seulement analyse. Je retourne en arrière. Je prends 20 ans de passé. La dame qui était aux côtés de toi, patiente. Il y a beaucoup d'hommes qui sont passés là-bas. Patiente. Il y a des gens qui sont sortis, qui sont partis. Mais elle était toujours aux côtés de Koffi Olomide. En train d'apprendre, en train d'écouter. Aujourd'hui, Cindy Lecker a l'oreille musicale. Aujourd'hui, Cindy Lecker, elle est parmi les meilleures voix d'Afrique. Elle sait comment chanter. Elle sait comment entrer en note. Tu peux jouer la guitare n'importe comment, mais elle sait comment entrer. Elle sait quoi faire pour être toujours dans des notes. C'est une dame qui n'est pas venue seulement s'asseoir. Elle est venue aussi apprendre. Elle est venue écouter. Elle est venue chanter, travailler. Aux côtés d'une personne qui n'a jamais été fatiguée à travailler. Depuis qu'on a connu Koffi Olomide, depuis qu'on l'a connu, de la façon qu'on le connaît aujourd'hui, il a toujours travaillé. Un monsieur avec plus de 25 albums. 25 albums. Chaque album a combien de titres? Qui va nous dire que il ne connaît pas plus de 20 chansons de Koffi Olomide? Qui? Je peux dire que je connais 20. L'autre qui va connaître 20, il va connaître d'autres 20 que moi-même je ne connais pas. L'autre côté, tu vas à mon père, tu vas côtoyer ma tante. Tout le monde connaît les chansons de Koffi. Des chansons comme Désespoir. Des chansons longtemps. Les chansons comme Elixir. Des chansons comme Noblesse Oblige. Ça, c'est chansons à Koffi. Avec intelligence au Koffi Azanango. Si Kasso Moutafani Pembeni Naye, au longue pas à Koffi Bourique, tu as des problèmes. Je me répète, si tu as de la chance de passer du temps, du moment avec Koffi Olomide, et que tu quittais, tu sortais, tu quittais Koffi Olomide, attaquer Bourique, c'est que tu as été né Bourique. Puisque c'est un homme qui est intelligent, un homme qui a de la composition, un homme qui a de la parole. Et puis tu quittes chez Koffi Olomide, tu commences à nous amener des chansons qui n'ont pas d'âme. Des âmes qui n'ont... Moi je vais juste insulter quelqu'un. Puisque nous-mêmes, on prend cours de paroles, cours de poésie, cours de drague chez Koffi Olomide à travers ces chansons. Yo kante mboloko la mbabo la. J'ai écouté la chanson là il y a presque 3 jours. Ah! La chanson là, celui qui va dire que ce n'est pas un poème, ce n'est pas une poésie, ce n'est pas un drague, il a des problèmes. Maintenant, une chanson pareille, 23h, Cindy Lecker se réveille, soit elle vient de la douche, Koffi est en train de dormir. Et commence. Gravenga, linganga, Koffi, vous avez des chansons. Quand les gens vous appellent monument, quand les gens vous appellent icône, monument vivant, une légende, je ne pense pas que ces gens-là se soient trompés. Moi-même, même si je n'ai pas la force de confirmer, j'insiste et je confirme que vous êtes une légende. Mais pas n'importe quelle légende, exceptionnelle. Les personnes qui ne viennent pas au monde des trois. Vous pouvez être seul, Koffi Olomide. Vous pouvez être le seul. La seule légende, la seule personne avec une capacité intellectuelle dans le niveau de la musique comme toi. Je ne pense pas qu'ils soient deux ou trois. Ils ne sont pas beaucoup. Il y a des... Si les albums de Koffi Olomide sortaient à cette époque ici, chaque année, Koffi Olomide aurait des disques et des diamants. Chaque année. Si les albums de Koffi Olomide, je le répète, si les, tous les albums que Koffi Olomide nous a donnés, je ne sais pas partir où, d'où, Rive Gauche, Papa Plus, Papa Bonheur, vous prenez l'album Magie, vous prenez V12, on vient, je ne sais pas, Andrade, c'est ça, V12, vous prenez Noblesse Oblige, volume 1, volume 2, on prend, il y a quoi là? Album Loi, tous ces albums-là, si c'était les albums d'aujourd'hui là, chaque année, Koffi aurait des disques et des diamants. Puisque ce sont des albums. Et quand vous écoutez les thèmes, il n'y a aucune monotonie dans des chansons de Koffi Olomide. Aucune monotonie. De toute façon, il chante.
avec une voix velours, sa voix là vraiment mélancolique, une voix vraiment, une voix d'homme. Il n'y a aucune femme qui peut résister à la voix de Koffi Olomide. Que ce soit Céline Dion, que ce soit Beyoncé, que ce soit Rihanna. Il n'y a aucune femme qui peut résister à la voix de Koffi Olomide. Aucune femme. Puisque d'abord, il a l'ossature d'un homme. Et puis quand il chante, c'est un homme. Quand on le regarde, c'est un homme. Et puis les textes, c'est un homme. Ce n'est pas les femmes, les garçons qu'on voit aujourd'hui là. Même draguer, c'est difficile. Si tu as des problèmes de draguer, va écouter les chansons de Koffi. Tu auras de la facilité d'avoir une femme, puisque Koffi se drague. Nzembo na yeza ko drague. Et puis quand il drague, ce n'est pas n'importe quel drague. Toi je te non, il commence, il vient. De la façon il commence la chanson, façon il va terminer et puis il va dire yeah. Vous êtes une légende, ça c'est Koffi. Il est spécial. Ce n'est pas un monsieur qu'on peut comparer avec qui que ce soit. Il n'y a personne. Il y a la personne qui tente de devenir comme lui. C'est Félix Oiseau. Mais Koffi Olomide, non. Un monstre. Maintenant, la dame, notre dame ici, notre première dame, notre femme de valeur, notre Cindy Lecœur, elle a eu cette chance d'être aux côtés de ce monsieur-là, maintenant à l'âge d'adulte. Imaginez-vous, comme on dit toujours, les vins des vieilles purs. Encore pire, cher. Plus il vieillit, plus il devient cher, plus il devient goût. Maintenant, Koffi, Cindy Lecœur vient d'avoir Koffi Olomide à l'âge où le vin est devenu tellement spécial, tellement précieux. C'est l'état où Cindy Lecœur a trouvé Koffi Olomide. Maintenant, la chance que notre Cindy a, il n'y a aucune femme qui peut avoir la chance là, puisque les paroles, la façon de faire les choses, la façon de faire le marketing. Puisque Koffi Olomide, il est lui-même un homme de marketing. Il sait comment se vendre. Depuis qu'on a connu Koffi Olomide, il n'y a aucun musicien qui est connu comme Koffi Olomide. Pendant des années comme ça, là, personne. Koffi, il sait comment se maintenir. Et si notre cher Cindy Lecœur prenait le même système, la même idéologie, comment se maintenir de génération à génération. Mais le quartier latin n'aura pas de fin. Moi c'est Gilmas. Ma Marie Bolumbu, na niveau à Belgique. Na Pesiombote. Vous êtes ma mère, vous connaissez, vous Oyebi Omoko. Je vous aime trop la famille. Je vous aime trop bana quartier latin. Je suis là pour faire que des analyses et les analyses ne concernent que moi. Il y a personne qui m'a dit de dire ceci, ça ne concerne que moi. Je peux faire le Mabaku. C'est normal, mais c'est que je vous prie toujours de m'excuser là où je fais de ma bakou, puisque je suis un homme, je suis faillible. Mais je pense que quand même, je fais plaisir à ceux qui ont compris mon message. Je vous aime trop encore une fois, je vous embrasse, on se voit à la prochaine, bye.